Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à notre show Chercher l'artiste. Je suis Leslie Dallancourt et comme d'habitude, nous avons un show à tout casser pour vous ce soir. Aujourd'hui, nous avons deux invités très spéciaux qui vont nous parler de leur peinture et de tout ce qu'ils sont en train de faire. En premier, je vous présente Monsieur Philippe Dodard. Philippe, bienvenue à notre plateforme. Welcome, welcome, bienvenue. Merci Leslie, merci Miami. Merci à toute la communauté haïtienne. Donc, pendant que je suis ici bloqué et à cause de la situation, je profite pour participer à la vie culturelle à Miami en tant qu'artiste. Magnifique. Qui a toujours exposé en Haïti depuis plus de 40 ans. Oui. Donc, là, je suis heureux d'avoir été invité comme keynote speaker à cette prochaine exposition des artistes de Miami qui vont se rencontrer au Island Space Museum le 4 mai. Mm-hmm. Et sur un thème très cher à nous qui est « L'union fait la force ». Qui est un thème vraiment spécial parce qu'on a beaucoup d'artistes qui se mettent ensemble pour faire, pour présenter leurs œuvres. Et aussi nous avons même Thilo qui va chanter ce soir-là. Magnifique. Ça va être bien. Donc, toi, on te connaît très bien, on entend parler de toi de partout. Nous, on ne va pas l'écrire, oui. Souvent, on dit bonjour à Zamino qui est en Haïti là. On a dit bonjour à Haïti. Moi là, Philippe Dodard à Miami. Donc, m'a profité de présence point pour me faire exposition très spéciale parce que j'étais le premier artiste qui était introduit avec Gary Marassad et de Michel Frisch. Mm-hmm. Le Haitian Heritage Month, c'est le Sanouté en 2001. Donc maintenant, 23 ans après, je vais exposer ma forêt rétrospective de 2004 à 2024, 20 ans de peinture de Philippe Dodard, mais une peinture axée surtout sur l'histoire d'Haïti, sur les valeurs et que Haïti te toujours défendre, qui c'est la liberté universelle. Mm-hmm. Et bon, l'union fait la force, bien sûr, mais là, nous parlons poser peut-être nos questions de quelle union on parle, de quelle force on parle. Parce que je crois que nous arrivons à un point que nous faut nous rebattre quatre là pour reconsidérer toutes gens que nous avons fonctionné culturellement, même l'équipe politique que nous avons développée en Haïti pour pérenniser ça que les ancêtres nous ont fait, pour lutte ça, pour liberté universelle. Tout ça. Travail ça. Donc nous avons patrimoine pour nous préserver. Et patrimoine ça, c'est pas seulement à travers la politique que nous sommes capables de faire, mais c'est surtout à travers la culture. Donc culture noire, ouais, malgré en pile destruction qu'a faite et dans le pays nous, à cause de l'incompréhension, justement, de cette unité et cette union que nous n'avons pas arrivé à faire à cause de l'ego, à cause que nous n'avons pas mis tête nous ensemble pour comprendre l'autre là, pour nous capables de voir qui gens pour nous travailler ensemble, parce que nous avons un pays qui est patrimoine, qui n'est pas nous lié, pour nous préserver, pour nous développer. Donc, culture, lui-même, c'est son moyen d'expression. Mm-hmm. C'est grand pile bagarre que la presse a dit, nous, d'ailleurs, qu'on y a grand pile faux et nouvelles qui ont circulé et tout. Ça a les fake news. Mm-hmm. Et puis, il y a une forme de sensationnalisme, mm-hmm, en nous montrant des images, etc., de la pauvreté, de monde qui a mouru, etc. Donc, à travers l'art, il y a un autre moyen de questionner justement cette sensibilité humaine. Mm-hmm. Okay, pour pouvoir essayer de faire comprendre à la communauté internationale ce que Haïti vaut et, au point de vue du développement humain et à travers le monde. Parce que l'exposition, ça n'a pas parlé de problème Haïti seulement, c'est un problème justement d'humanité. Oui, et surtout ça, Haïti a subi, ça joue aussi. Ce n'est pas Haïti, mais soit regardé à travers le monde, à travers les guerres qui sont partout, dans grand pile injustices qui sont faites à travers le monde, grand pile monde qui est surtout les plus pauvres, qui a péri, et surtout le monde noir, qui souffre depuis longtemps, depuis notre indépendance. Donc Haïti,
Et ça que l'exposition les urgences permanentes là, c'est constamment, moi-même depuis mon petit, moi connais que n'a pas ce travail, ok, avec parents, moi déjà sorti et pas au prince pour venir à Gouan, c'est toute tout expédition, il est devant dormir sur route. Songez bien ça. Ah oui, c'est des bagages qui marquent vie, tu comprends? Donc, ou pas capable de comprendre le pays, ça ne va pas passer tout, pas tout ça. C'est bien sûr. Pourquoi ça a la vie et, en province, ouais. Qui gens le monde est voyager, il y a des couniers, ça va passer. C'est que là même, pour au billet retour, nous avons que le billet c'est 3 500 $ pour payer, pour tourner la caille. Pour tourner la caille. C'est-à-dire que ça, sur exploitation libre, je pensais que ce n'est pas normal. Oui, et tout le monde a pris avantage de la situation, Kounia, et they're raising everything, everything, every price, everything, everything is yes, going on. Donc, bon, certaine hypocrisie tout, à travers la politique de. De ce qu'on appelle les amis d'Haïti. Oui. Donc, parce que le Kounia a une urgence pour aider le pays à okay, sortir dans ce lieu-là, alors que ce pays qui, lors de l'indépendance, a aidé les pays de la Caraïbe, de l'Amérique latine jusqu'en Éthiopie, oui. Jusqu'en Grèce, oui. Et même les, aux États-Unis, oui. Oui. Pour pouvoir étendre justement cette vision de la liberté universelle. Donc, ce n'est pas normal qu'on n'y a que nappe souffrir, c'est comme si personne ne m'attendait. Oui. Ou bien, il n'y a pas de ça. Ensuite, il y a tergiversé. Il y a des rencontres et des rencontres et des rencontres qui n'aboutissent pas. Et jusqu'à présent, on n'a pas encore de solution, okay, ni de compréhension de ce qui est arrivé à Haïti. Et pourquoi? Parce que qu'on n'y a pas qu'à pas à l'école. Bon, ça, nous connaissons tout le problème ça, déjà. Okay, parce que nous vivons tous les jours. Pas à l'école. Pas de médicaments, pas de communication, et même entre les villes. Okay? Mm-hmm. Ce n'est pas normal que des villes qui produisent manger dans le sud, qu'on n'y a que manger ça, pas qu'arriver au prince, ou pas qu'arriver dans l'autre partie du pays. Donc, il faut passer à travers des lieux qui sont contrôlés par des gangs. Mm-hmm. Maintenant, qui est-ce qui tolère la situation ça, hein, qui fait que l'arrivée là? Donc, bien sûr, il y a une pile et injustice sociale dans le pays. Donc, il y a un certain équilibre que pour la société a bien développé pour nous vraiment parler de du développement durable qui est capable bon pour tout le monde. Okay? Est-ce que nous avons des gens qui qualifient et qui sont capables de faire ça? Il y a des gens qui qualifient dans le pays. Il y a, comme disait l'autre jour Michel Soukart ou bien et d'autres intellectuels, le pays n'a jamais eu autant de diplômés, autant d'étudiants qui font master ou bien étudiants qui font doctorat, mais pas gain et ou offre d'emploi. Non, pas qui vous permettre justement jeunes ayo, parce que vous n'y a pas de compter sur la jeunesse. Oui. Et nous voyons que la politique qui a fait avec les mêmes visages des politiciens que nous avons connus depuis des années et des années. Mm-hmm. Donc, je crois qu'on y a un sort de ce qui a passé dans le monde, une jeunesse qui a monté, qui apparaît avec de nouveaux. De nouvelles idées. De nouvelles. Oui, de nouvelles formules. Mm-hmm. Tu sais, de reconsidération d'une politique et contre le colonialisme aussi. Parce que maintenant, il y a cette décolonisation qui est en train de se faire actuellement en Afrique. Et donc, dans la Caraïbe aussi, au concept qui vient qui est présent actuellement. D'ailleurs, ouais, qui ça, il y a parlé aujourd'hui il y a de dédommagement. Hein? Oui, d'après ça, ouais. Sur TikTok hier soir. Oui, donc, mais on en parle. Il faut qu'il y ait aussi une réalité. Oui. Il faut que nous-mêmes, Haïtiens, que nous connaissions qui ça nous voulait. Parce que ce n'est pas l'autre qui vous dit pour nous. Donc, il faut que finalement, que l'union, ça n'a pas l'air, pour que nous voyons nos réalités, oui, vraiment. Oui, capable de faire force. Donc, culture là, sur plateforme. Mm-hmm. Qui permettent à artistes de rencontrer, parce que on ne sait pas qu'on est, mais d'après l'expérience, moi, je trouve que quelle que soit la situation, c'est toujours artistes qui paraissent en premier, qui offrent table, qui entendent, parce que toujours on entend et basé sur l'amour, sur la compréhension, les échanges, mm-hmm. Et que nous tous différents, nous tous avons une manière de voir et la vie, une manière de voir la société, une manière de voir notre propre expression. Et esthétique, mm-hmm. Pour transmettre des idées, des émotions qui nous sentent par rapport à des situations difficiles. Parce que très souvent, on parle de résilience, on parle toujours de résilience
son peuple qui est très résilient, etc. Mais on ne parle pas que résilience, ça vient tourner aux formes de résignation. Oui. Okay? Et oui, pas plein résilience. Il y a toujours un fort compliment pour résilience, non? Oui, c'est vrai. Donc, non. Vous n'avez pas accepté forme de compliment, ça encore. Oui. Parce que nous croyons que et ça nous besoin vraiment, c'est toujours garder cette dignité que nous gagnons en tant que peuple haïtien, malgré tout problème. Moi, je suis plus grand fierté, moi, c'est que haïtien. Oui, c'est vrai. Donc, je ne renier origine et citoyenne, et donc je suis patriote, qui rien un pays, je ne quitte Haïti vraiment. Mais maintenant, la situation m'a dit pour que vraiment nous. Nous prenons conscience. Mais conscience, je crois que nous avons nous déjà gagné, mais on dit gens et nous sommes négligents. Parce que faut nous prendre responsabilité. Oui. C'est la conscience en besoin, c'est responsabilité. Parce que c'est plus facile de rester à l'écart, de rester un peu sourd, ok? C'est pas la fatigue tout. Parce que c'est pas qu'à depuis tout le temps ça va faire effort, puis nous n'aurons pas qu'à aboutir. Mais il faut mettre les mains à la pâte et féliciter l'artiste qui va exposer bientôt. Parce le 4. Le 4. Non, et je vais parler tout de show pour le gagner le 10 mars. Le 10 mai. C'est de samedi comme ça parle là, on va arriver sur lui. Donc le fait que l'artiste a mis tête ensemble, right. De nous gagner Annick Duvivier qui l'a en face, oui. Et gagner l'autre artiste tout qui l'a. Et maintenant, et Jimmy Moïse qui fait rentrer. Exactement. Il y a toi aussi. Donc, mais quoi, c'est tout haïtien ça qui, dans le monde de la culture, qui toujours a fort effort, ok? Toujours a fort effort pour la promotion de la culture, la promotion des valeurs que nous gagnons là, qui est capable de permettre nous penser à une haute formation de société, nous. Maintenant, pour pouvoir, et avec ce cheval de combat là, qui est la culture, pour pouvoir nous battre pour remettre le pays sur la route d'un développement durable. Oui. Parce que sauvegarder un village, quand on croit des bouquets, c'est ça les tout artistes croient des bouquets, qui ont subi un pile et abus de forces et armées qui attaquent les villageois, au village d'Arti, qui a plus de 600 familles qui vivent de ça. Et il faut nous penser tout que c'est culture qui est capable de faire développement pays au niveau touristique. Correct. Parce que nous avons une culture extrêmement riche, nous avons une histoire qui est unique. Donc, faut encore une fois, il faut mettre tout ça en valeur et permettre que le monde ait accès à lui. Parce que tant que n'a toléré ou instabilité, mais qui n'a pas parlé de tourisme, qui n'a pas parlé de éducation, qui ça qui a venu que nous gagnons de timounio demain matin, oui. Ok, qui genre qui n'a pas permettre au professeur à l'entravailler et croit toujours non pas même d'avenir, on est dans le présent d'Haïti. Oui. Et combien de municipes là qui t'a remis tourner pour faire vacances en Haïti et tout bagaille ça? Et Philippe, n'a même pas parlé d'exposition pour le faire le 10 là. Exposition, ça, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est une exposition que Dr Babacar Mbo, qui est curateur, et exposition ça, qui prend le fait dans l'African, Opaloka African Diaspora Art Center, et, qui est une institution culturelle du North, de Ten North Group, qui a développé Opaloka d'une manière extraordinaire en se servant de l'art justement pour pouvoir et transformer cette perception de cette communauté qui est Opaloka et qui sera bientôt une destination pour l'art de la diaspora. Je te garantis, parce que j'ai visité là-bas et je suis en plein pour parler avec ces gens. Ah oui, ils sont en train de faire des développements extraordinaires avec des jardins qui comprend des sculptures, non seulement des artistes de la diaspora africaine, mais des Africains aussi. Oui. Donc les artistes de la Caraïbe sont bienvenus. Donc ce sera une référence pour l'art noir. Et donc exposition, ça parle d'exposition sur 20 ans, donc à l'occasion du Haitian Heritage Month. Donc sur exposition qui est les urgences permanentes, donc pour justement attirer l'attention pour ça que les urgences permanentes que nous vivons en Haïti depuis enfance, donc tout va pas changer sur répétition, tout le temps de même histoire là encore. Donc on est l'île, ok, pour nous camper, pour nous camper sous ça nous gagner qui est solide comme culture pour nous faire, pour nous capables de réunir force nous ensemble pour nous lutter pour une nouvelle Haïti. Et répéter encore, c'est pour
parle le 10 mai. L'an, Opa-Loka, c'est le African Diaspora Art Center. Art Center. That sounds fantastic. Listen, Philippe, thanks a million. Thank you very much. It's my pleasure to be here. And ladies and gentlemen, we'll be right back. And ladies and gentlemen, we are back. Nous sommes de retour avec notre amie Annick Duvivier, nationale, la nationale. Annick, bienvenue, ma chérie. Merci. Nous voyageons chaque week-end, nous faisons un festival différent. Quand la saison est finie, ma petite pause, mais nous avons une belle exposition, l'Union fait la force. Oui. Island Space Caribbean Museum, nous sommes très contents de ça. Ça sont coquins de bagaille qui a passé là. Tout artiste qui parle là, tout à souhait ça. Spécialement dans le moment ça, pour artistes réunis, pour montrer belle bagaille qui a passé, que Haïti a produit, parce que c'est négativité seulement qui a passé. C'est ça seulement après le donc, il y a un bel tableau, il y a une musique, Tilo France a performé, il y a des bagages qui ont fait. Et moi-même, je m'en fais une musique, je m'en fais une musique, je sais. Mais bon, Joe, et est-ce que vous pouvez dire, nous sommes de retour avec tout temps, ça, notre ami, Annick Duvivier, nationale, même la exposé m'a produit, mais ça m'a produit Kounia, c'est pas ça m'a exposé le musée. Ça, c'est en prochaine saison, on va travailler, on va commencer sur l'autre saison, on va travailler pour un bazar, la Kounia, pour décembre. La fête vos affaires. C'est bon, vous avez une dernière exposition, en fait, deux dans l'autre exposition. Parce que nous faisons plus d'expérience encore, parce que l'artiste a grandi toujours.
donc pas bon stop. Qu'est-ce que c'est que pour artiste entre la musique et exposition de faire et puis Par exemple, ma tante qui a 103 ans, Philippe qui a 103 ans, 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 qui a 103
Et puis le des oiseaux du paradis, beaucoup connaissent parce que qui sont curateurs, donc sa sélection maximum de 7 pièces d'Haïti, suivant show, suivant espace là, espace de la nature du à 3 pièces fleuries, quel que soit sa capacité en Haïti, ou est à n'importe qui jardin, ou bien les oiseaux du paradis qui appuient, donc c'est ça, t'es riche, certains ou pas voulez aller un petit peu trop loin, on connaît ma fête de pièce très loche, parce que c'est un peu dur situation nous pour le moment ici, là, c'est mais, que nous gagne des gros murs mais nous pas laisser font quoi ici dans les petits bagages petits sous lit même si c'est de pièces moyennes nous vient au lion gros bagages c'est comme ça exactement qui s'est installé la communauté est-ce que ça à côté artiste ou capable parce que on l'a pas le dessiner sous canevas parce que moi même toujours moi même que j'ai son monde cap fort tête je à pas à côté bon, il est difficile parce que il demande un effort physique. Donc des fois ma travail campé parce que ça gros. Les possibles, bon, c'est cool, on travaille sur lui, Haute Basel, et puis prochaine saison, le Haute Festival qui vient encore. Mesurer une première pièce pour présenter un pinceau, un gros pinceau, faut multiplier tout ça, parce que son tubérateur qui a fait sélection, on m'a soumis cette pièce, et c'est ça. Suivant show, suivant espace-là, merci espace d'amitié du produit à trois pièces pour l'artiste. Donc, vraiment content là encore, et puis espérez-nous pour exposer. Mesdames et messieurs, c'était un plaisir d'être dans un salon aujourd'hui. Il va se plaire de venir ici. Next Sunday, same place, same time. I want to say thank you to my guests today. À Divivier National. Merci aussi au Petit Club. Take a little time to do something nice for someone this week. Est-ce que ça a pour apprendre ou l'autre Jean Poupène parce que on l'autre Jean pour le dessiner sous canevas parce que moi-même toujours avec moi les têtes mais qui j'en fais un monde qui font tête yeux à part côté bouche parce que bon l'IP est difficile parce que l'IMA des un effort physique. Donc des fois ma travail crampé parce que pièce là gros right. Mais et, les possibles.
mais leur campère. Donc, leur fait dessin, ou vite, ou mesurer, vite. Mesurer, il me prend couleur, me travaille à pinceau, un gros pinceau, faut multiplier tout ça, il y a un gros tube de peinture, gros galon de peinture si besoin. Right. C'est ça. Écoute, Annick, Mbakadjou, merci en pile qu'on vient visiter nous. Merci beaucoup, merci. C'était vraiment un plaisir. Vraiment content là encore, et puis espérez nous pour l'exposition de l'exposition. Mesdames et messieurs, c'était un plaisir d'être dans vos salons aujourd'hui. It was a pleasure being with you. Next Sunday, same place, same time. I want to say thank you to my guest today. Bonjour, Annick Duvivier, national. Nous mettons national là où il est. Et puis Philippe Doda. À bientôt. Et merci aussi au petit club. Take a little time to do something nice for someone this week. I'm Leslie Dalencourt. I love you. Pour solidaire avec Haïti qui a vécu un moment de crise que pas de gens connaissent avant l'explosion de leur Conseil de sécurité des Nations Unies qui a organisé une réunion sur la situation à la main Haïti à lundi 20 avril 2024. L'ancien président Jocelyne Privert paraît devant le juge instructeur Merlin Bela, d'ailleurs, une autre fois encore, lundi 20 avril 2024. De ces conditions qui ont impliqué Centre National Équipement CE2. Après audition, le Slam Premier dénoncé pour la deuxième fois.